Eh bien, salut à tous les gars. Aujourd'hui, on se retrouve donc, les amis, voilà pour la suite de ma carrière avec l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, voilà les gars, ça me tenait à cœur de vous faire une petite information, on va dire, voilà, avant de vous présenter un petit peu l'épisode. Je vais démarrer donc une nouvelle carrière sur ma chaîne, ce ne sera pas une carrière avec un club, mais une carrière avec une sélection, un pays, voilà, que je vais devoir gérer et amener au sommet du football mondial. Je vous avais posé la question sur Snap, les gars, donc d'après vous, qui m'avait proposé le poste? Je vous avais dit que c'était en Europe. Donc c'est non pas la Belgique, ni l'Italie, ni l'Angleterre, comme vous l'avez souvent proposé, mais c'est tout simplement, les gars, l'équipe de France. Donc voilà, je vais remplacer ben, notre bon vieux Didier Deschamps. Voilà, donc même si ses choix tactiques contre la Suède n'ont pas été les meilleurs, il a quand même fait du beau travail. Donc voilà, ce sera pas facile d'en assurer la relève, mais je pense quand même que j'ai les capacités et j'ai les joueurs, surtout, c'est ça le plus important, les joueurs, ben, pour pouvoir faire du très bon travail. Donc voilà, ce sera un format pas différent de celui-ci, ce sera toujours des vidéos de 20 minutes avec 2 ou 3 matchs, une petite présentation de l'effectif, tout ça comme d'habitude. Mais voilà, ce sera donc de nouvelles vidéos avec de nouvelles miniatures, de nouveaux titres. Ce sera quelque chose qui sera fait mais parallèlement à la KROM, c'est-à-dire à côté de la carrière. Les matchs de l'équipe de France ne seront pas dans les vidéos de la KROM, ce sera de nouvelles vidéos, mais je garderai les mêmes formats de vidéos comme j'ai toujours fait pour faire mes épisodes, quoi. Donc comme je vous l'ai dit, 3 matchs, environ 20 minutes, c'est vraiment du classique. Mais surtout, les gars, j'ai besoin de vos avis dans les commentaires. Donc, qu'est-ce que vous pensez, vous, bah, de ce projet? Donc, oui, si vous voyez l'écran qui bouge un petit peu, c'est parce que cette petite introduction, je vous la fais en différé. Mais après, l'épisode en lui-même est commenté en live. Ne vous inquiétez pas. Donc, voilà, les gars. Donc, n'hésitez pas. Donc, voilà, n'oubliez pas aussi de regarder un petit peu le calendrier que je vous montre, donc de l'épisode actuel. Mais n'oubliez pas aussi, les gars, vraiment, bah, de lâcher un j'aime sur cette vidéo si vous encouragez le projet de la carrière sélectionneur avec l'équipe de France. Mais surtout, qu'est-ce que vous pensez de ce projet? Voilà, ça m'intéresse vraiment de savoir si vous êtes pour. Vous aurez toujours autant de vidéos de la carrière OM. Comment dire, ma régularité ne changera pas au niveau de la carrière OM. Vous aurez juste des vidéos en plus avec l'équipe de France en tant que sélectionneur. Donc voilà, les gars, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je ne sais pas si ça a déjà été fait. Vous voyez pas du tout ça comme du plagiat. Et on se retrouve directement pour les meilleurs moments du match. Allez les gars, voilà, donc on va essayer de commencer fort. Comme à notre habitude avec Manquillo qui commence déjà à perdre un ballon. Riyad Mahrez qui vient tamponner, voilà, qui vient défendre pour une fois, ben ça fait plaisir à voir. Et derrière, voilà les amis, écoutez, on va essayer comme d'habitude ben, de faire le pressing et de récupérer très haut les ballons. Allez les gars, Mahrez. Mahrez les gars, on sait qu'il est rapide, voilà, on va essayer d'un petit peu aller s'enfermer. La petite roulette qui est passée, Riyad Mahrez encore, Riyad Mahrez qui enroule, oh là là, vraiment, si c'était rentré ça les gars, ça aurait été sûrement un des plus beaux buts de l'année. Je sais pas si elle passe très loin. Honnêtement, parce qu'il enroule bien. Ah, elle passe pas loin du tout. Elle passe pas loin du tout, c'est dommage. Allez, Mahrez encore une fois. Mahrez toujours. Mahrez malheureusement qui est rapidement bloqué par la défense. Et attention derrière à la contre-attaque lensoise. Yazuma qui est bien revenu. Malheureusement, le ballon est encore dans les pieds lensois. Ou attention, attention parce qu'il n'y a pas de hors-jeu. Yazuma qui revient très vite. Zuma le tacle parfait. Voilà, une Benatia. C'est. J'ai une défense de fer. J'ai une défense de fer, les gars, c'est impressionnant. Allez, Mahrez. Mahrez vers Aubameyang, c'est magnifiquement bien donné. Aubameyang encore, Aubameyang toujours, Aubameyang encore, Aubameyang encore, la frappe d'Aubameyang, j'aurais peut-être dû faire la passe, allez, Tolisso, la frappe de Tolisso qui passe encore une fois au-dessus, c'est dommage, parce que vraiment on domine les gars, mais voilà, on n'arrive pas encore à concrétiser. Allez, Aubameyang, Aubameyang vers Isco, Isco encore, Isco toujours, Isco vers Aubameyang, la petite frappe d'Aubameyang, mais c'est magnifique. C'est magnifique, les gars, ce que viennent de faire Isco et Aubameyang, c'est. Tous les deux, ils sont trop forts. Ils sont trop forts ensemble, les gars. Isco et Aubameyang, je vous jure, ils viennent de faire une action. On dirait Messi et Iniesta presque. Je vous jure, c'est impressionnant. On voit Aubameyang qui joue sur Isco. Isco, la petite passe en retrait, même c'est une talonnade. C'est une talonnade derrière Aubameyang, les gars, qui crucifie le gardien. Ça fait plaisir. Et encore un but, les gars, pour notre numéro 9. Allez, Isco. Isco vers Aubameyang. Aubameyang, la frappe d'Aubameyang qui, malheureusement, est contrée, les gars. C'est dommage, vraiment. Je vais en profiter. Je vais en profiter, les gars, pour faire un petit changement. Voilà, je vais faire sortir ben, Carrasco. Voilà, on va faire un petit peu jouer Nkoudou. Ça fait quelques temps, les gars, qu'il a plus trop joué, il me semble. Et voilà, parce que il a pas trop de temps de jeu, mais il mérite, honnêtement, les gars, Nkoudou. Donc voilà, même si je fais sortir Carrasco, ça me fait un petit peu chier parce qu'il est très fort. Je pense derrière que Nkoudou, il peut faire la différence. Il fait des tacles, ce joueur, c'est impressionnant, les gars. Il est partout, il vient aider sur le côté droit, il bouscule tout le monde, c'est. Vraiment les gars, Abdulrahman Baba c'est un taureau sur le terrain, c'est impressionnant. Derrière on récupère un très bon ballon avec Mahrez. Mahrez vers Isco. Isco qui est un petit peu à bout de jus, hein. Faudra le faire sortir. Allez Nkoudou. Nkoudou toujours. Nkoudou qui rentre. Nkoudou vers. C'est Mahrez et Mahrez qui frappe, voilà, qui finit. Et ça fait ben, le 2-0.
Dans ce match, voilà, très beau travail de Nkoudou et Mahrez à la finition, tranquillement qui ajuste le gardien. Ben, ça fait plaisir, les gars, voilà, de voir un Mahrez qui est vraiment en train, ben, de montrer des bonnes choses. Il a été très très bon dans ce match, vraiment, je suis très très content pour Mahrez, les gars. Et puis voilà, encore une fois, Nkoudou, les gars, magnifique travail, il rentre dans la surface et Mahrez, très bon contrôle, puis derrière, il ajuste le gardien et ça fait 2 à 0. Les gars, il reste un quart d'heure, je vais faire des petits changements, voilà, donc on va faire sortir Isco, qui est très fatigué, on va mettre Osiakou en 10. Et on va faire aussi rentrer le petit Thomas Lemar pour la fin de match. Allez, Thomas Lemar, vers Aubameyang. Aubameyang vers Nkoudou. Nkoudou toujours. Nkoudou vers Aubameyang. La reprise de volée d'Aubameyang, il est trop fort. Il est trop fort. Il est magique. Il est magique. Je sais qu'il a pris un moins 1, les gars. Mais cette année, il reste avec nous. Il reste avec nous. Et franchement, les gars, c'est fou. Il nous met des buts, les gars. Mais il a déchiré le gardien. Ah, c'est bon, c'est vrai qu'elle est contrée, mais je pense que si elle n'est pas contrée, elle finit en pleine lucarne. Hein, donc voilà, c'est pas grave. Très joli but, même s'il est donné ben, au contre son camp, voilà, pour le défenseur. Moi, je le prends pour Aubameyang parce que franchement, il a mis une magnifique reprise de volée. Ça y est, les gars, ben, le coup de sifflet final a été donné. On gagne donc 3-0 dans ce match grâce à, on peut dire, un doublé d'Aubameyang parce que même si elle n'est pas contrée, je pense qu'elle rentre. Mais voilà, les gars, sinon, ben, vraiment très très bonne prestation offensive. Hein, 15 tirs à 2, ça fait super plaisir. Une très bonne entrée pour Nkoudou, les gars, qui marque des points. Je suis très content pour lui, les gars. Je vais sûrement le mettre titulaire au prochain match, tellement il a été fort. Et puis voilà, les gars. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais voir un petit peu ben, l'équipe 2 pour le match face à Metz. On va faire les entraînements. Non, il n'y a pas encore les entraînements. Donc voilà, on se retrouve directement dès que j'ai fait la compo. Ça y est, les gars, on est arrivé. Donc voilà, pour le match face au FC Metz, on est encore deuxième derrière Bastia. On est à un point des Corses. J'ai reçu un mail, les gars, donc de Ismail Assar, voilà, qui demande avoir un petit peu de temps de jeu, donc je lui en donnerai, voilà, je le ferai rentrer. Donc au niveau de l'équipe, les gars, sinon, bah, c'est du classique de l'équipe 2, hein, voilà, donc Mendy, Acerbis, Paragna, Mameri, un milieu Amarté, Mastour, Nkunku. Et devant, donc d'habitude, devant, je mets donc Saint-Maximin, Silva et Lemar, mais là j'ai mis Nkoudou, qui a été vraiment super fort, les gars, lors du précédent match. Mais évidemment, Saint-Maximin et Ismaïla Sarr, eh bien, ils feront leur entrée dans le match. Et puis sinon, voilà, les gars, on va partir avec cette équipe. Ben face au FC Metz, les gars, qui est sûrement l'une des lanternes rouges, hein, j'imagine. Et puis voilà, on se retrouve directement pour les meilleurs moments du match. Nous voilà donc, les gars, voilà au stade du FC Metz. Donc voilà, c'est pas le plus grand stade du monde, mais attention. Attention, les gars, ça peut être un match piège. On sait qu'ils peuvent ben, nous piéger ou vraiment mettre le bus derrière. Donc attention, surtout qu'on a l'équipe 2. Mais voilà, je pense quand même qu'on est assez armé pour aller chercher les 3 points. Allez, Amarté. Amarté qui a magnifiquement bien vu Nkoudou. Nkoudou, les gars, qui devrait quand même passer en vitesse face à Milan. Nkoudou qui revient sur ses pas. Nkoudou vers Amarté. Amarté qui perd le ballon, enfin, qui arrive même pas trop à le gérer. Et attention derrière à Jonathan, qui est tout seul devant. Et voilà, encore une fois, les gars, Serbi, qui malgré son rôle de remplaçant, est toujours présent. Allez, Nkoudou. Nkoudou qui se retrouve face au gardien. Nkoudou vers Silvaï. Oups! Et ben enfin. Et ben enfin, les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Au Silva, les gars, il m'a manqué un ballon. Heureusement qu'il y avait Thomas Lemar derrière, parce que là, franchement, j'étais assez choqué. D'habitude, Silva, c'est vraiment le dernier à rater un face-à-face, quoi. Il est vraiment super fort face au gardien. Là, il avait le but de vie. Il a raté sa frappe. On va revoir le ralenti, hein. C'est assez étrange. Bon, évidemment, Nkoudou qui fait un super travail sur le côté. Et là, Silva qui rate le ballon. Et Thomas Lemar derrière qui a failli ne pas marquer en plus. On a quand même un peu eu de chance, hein. Allez, attention derrière Nguette. Nguette qui est sur son côté face à Mameri. Et Mameri, voilà, les gars, comme d'habitude, qui est très propre défensivement. Et même Mameri, les gars, qui monte, voilà, qui prend des initiatives, qui mène une contre-attaque malgré qu'il ait une faible vitesse. Allez, Mameri. Mameri qui trouve bien Silva. Silva qui trouve bien Nkunku. Nkunku vers Thomas Lemar. Thomas Lemar qui a du mal à passer et qui n'est pas passé, c'est vraiment dommage. Allez, André Silva. André Silva qui file au but. André Silva encore. André Silva toujours. André Silva qui enroule et encore une fois, les gars, le gardien qui est dessus. Là, il y a Nkunku qui a pu la récupérer, qui va la ressortir sur Mameri. Mameri vers Mastour. Mastour. La frappe de Mastour qui est totalement dévissée. Voilà l'arbitre qui siffle. Et bien, la fin de la première mi-temps. Mameri, je crois qu'il va prendre un petit carton. Parce que j'avais fait un gros tacle avec lui. Enfin bref, je sais pas. Pour l'instant, les gars, voilà, on a la chance de mener 1-0. Parce que c'est vrai que le but, j'ai quand même de la réussite. Hein. J'ai de la chance que comment est-ce qu'il s'appelle déjà? Thomas Lemar est bien suivi. Parce qu'André Silva avait vraiment raté le ballon. Je suis un petit peu déçu d'ailleurs, les gars, du début de match d'André Silva. Peut-être que je le ferai changer après. Allez, attention, les gars, au Messin, qui ont le ballon près de notre surface. Attention. Ouais, parce qu'ils arrivent quand même à passer un petit peu, mais heureusement, les gars, il y a Mendy ben, qui est là pour défendre et qui a encore le ballon et qui relance très proprement vers Nkoudou. Nkoudou vers
Thomas Lemar cette fois-ci. Ah, il y a un contre un. Il y a un contre un. Thomas Lemar qui est en train de passer. Thomas Lemar qui regarde bien. Il y a l'appel de Silva. Silva vers Nkoudou. La frappe d'Nkoudou et c'est au fond. C'est au fond, les gars. Magnifique but. Magnifique action même de la part de Thomas Lemar. André Silva et Nkoudou. La frappe d'Nkoudou est sublime elle aussi. Ça fait 2-0. 2-0 dans ce match, les gars. Franchement, je suis super content de prendre une avance comme celle-ci. On voit une magnifique passe. André Silva, très bon contrôle. Très bonne passe. Et Nkoudou en une seule touche. Voilà, qui fusille le gardien. Ça fait plaisir. Et les gars, on va en profiter donc pour faire des petits changements. Notamment devant, les gars, on va faire rentrer le petit Ismaïla Sarr. Le petit Ismaïla Sarr. Ainsi que Santoro à la place de Mastour. Et voilà, on va voir un petit peu. Ah, il est MD. Il est MD, mais il peut jouer MOC, donc je le laisse au milieu, c'est pas grave. Et puis voilà. Maintenant, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Allez, Thomas Lemar. Vers Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr toujours. Ismaïla Sarr encore. Ismaïla Sarr qui passe. L'enroulé d'Ismaïla Sarr, c'est magnifique. C'est magnifique, les gars. Face à son ancien club. Voilà. Je fais une petite célébration. Je vais pas courir partout par respect. Mais voilà, les gars. Très beau but. Mais de la part d'Ismaïla Sarr, franchement, ça fait plaisir. Hein. Il a mis vraiment un magnifique but. Très bon. Je vais pas le repasser parce que voilà, j'ai envie de faire un changement assez rapidement. Parce que tout simplement, les gars, donc je vais faire rentrer. Qu'est-ce que je vais faire rentrer? Ben voilà, Saint-Maximin à la place de. À la place de Thomas Lemar. De Thomas Lemar. Et puis voilà, les gars. On va rester comme ça pour la fin de match. Allez, Saint-Maximin, les gars. Voilà, on va essayer d'aller mettre le quatrième. Hein, tant qu'à faire, on n'a plus rien à perdre. Allez, Saint-Maximin qui va tout seul. Saint-Maximin qui décale bien vers Ismaïla Sarr. Vers Nkunku. Et ça rentre toujours pas, les gars. J'aurais dû la contrôler avec Ismaïla Sarr et ajuster un plat du pied. Comme je l'ai fait avec Riyad Mahrez dans le match précédent. Allez, peut-être une tête d'Amarté en fin de match. Essayez. Non, putain, j'allais crier que c'est au fond, mais c'est pas du tout au fond. J'avais cru l'avoir au fond, hein. Je sais pas vous, mais moi franchement j'y ai cru, on va revoir le ralenti. Elle passe pas loin, elle passe vraiment pas loin du tout, c'est vraiment dommage. Ça y est les gars, mais le match est fini, voilà, donc large victoire 3-0 face au FC Metz, grâce à Nkoudou, Ismaïla Sarr, ainsi que Thomas Lemar, voilà, donc je suis très content, 10 tirs, ils ont même pas tiré au but, on les a vraiment surclassés les gars, je crois que c'est le plus beau match que j'ai fait depuis bien longtemps. Enfin bref, je suis très content, les gars, voilà, de ce résultat. On va voir un petit peu si on a des mails, on va faire des entraînements. Aussi, à noter, les gars, très bonne prestation de Ismaïla Sarr, que j'ai beaucoup aimé, honnêtement. Sarr a bien saisi sa chance, ouais, il a très bien saisi d'ailleurs, je suis très content. Derrière, au niveau des entraînements, je vais voir un petit peu s'il n'y a pas mieux à entraîner que Barco, hein, honnêtement. Ben, c'est un maximum, je l'entraîne déjà. Ismaïla Sarr, il n'est pas doté d'un énorme potentiel. Je vais entraîner, du coup, ben, Nkunku, je pense, hein. Nkunku, les gars, j'aime bien l'entraîner, donc je vais l'entraîner. Voilà, il est ici, on va lui mettre en finition. En finition, les gars, faudrait qu'il progresse, faudrait qu'il soit un petit peu plus complet, surtout devant le but. On va voir un petit peu ce que ça va donner au niveau des entraînements. Il y a Santoro qui prend un plus 1, donc ça fait plaisir. Voilà, notre petite pépite qui peut devenir spéciale. Il a que ça comme attribut, les gars, c'est comme ma mairie, donc c'est vraiment du très très lourd pour l'avenir. Alors, au niveau des mails, bah, je pense qu'il y a Ismaïla Sarr qui nous remercie. Ouais, c'est ça, il nous remercie, bah, écoute, on le remercie aussi. Et puis voilà, les gars, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire la compo, les gars, voilà, pour le match face au Spartak, et on se retrouve dès que je l'ai faite. À de suite. Donc ça y est, les gars, nous sommes au jour J, voilà, du match face au Spartak. Donc au niveau de l'équipe, c'est l'équipe vraiment classique, hein, voilà, c'est l'équipe A, ça bouge pas, on va rester comme ça. Et puis on va lancer le match, voilà, les gars, face au Spartak, qui sont juste derrière nous, au niveau du tableau. Donc voilà, c'est vraiment un match assez important, faut les surclasser. Surtout que voilà, je pensais pas honnêtement voir le Spartak deuxième. Je voyais plutôt Porto, mais écoutez, pour l'instant c'est le Spartak, donc voilà. Nous on va faire en sorte de les surclasser. Au niveau des maillots, je crois qu'on joue chez eux, donc on va mettre le maillot extérieur. Hein. On va mettre le maillot extérieur, les gars, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Voilà. Est-ce que le. Ouais, je sais pas. Non, on va prendre celui-là, on va prendre le maillot autre, les gars. Et on se retrouve donc directement pour les meilleurs moments du match. Nous voilà donc, les amis, et eh bien en Russie, voilà, au Spartak Moscou. Ben pour les affronter tout simplement dans cette phase de poule de Ligue des Champions, ils sont juste derrière nous. Ils ont Quincy Promes, les gars, qui est un très très bon joueur, très rapide. Faut faire attention, ils ont des très très bons atouts à faire valoir, donc on va rester sur nos gardes. Allez, attention les gars, au Spartak Moscou, voilà, qui garde directement le ballon. Hein. Dès ce début de match, ils attendent pas 100 ans. Heureusement, on le récupère assez vite vers Isco. Isco qui passe magnifiquement. Isco toujours. Isco qui et lance Aubameyang, mais malheureusement, le ballon qui ne lui parvient pas, c'est dommage. Allez, Carrasco. Carrasco qui va essayer d'éliminer la défense du Spartak. Carrasco qui est passé. Carrasco qui a été touché mais qui n'est pas tombé. Allez vers Tolisso. Tolisso, la frappe de Tolisso qui était magnifique mais qui passe vraiment à côté du cadre.
Et attention, attention derrière aux Russes qui sont en train de faire une attaque à loin la fond. Voilà le gars qui est là bah, pour calmer tout le monde, qui a fait une très bonne sortie. Riyad Mahrez a encore le petit bobo là, je sais pas comment on peut appeler ça. Enfin bref, pour l'instant je vais pas le sortir parce qu'il demande pas le changement. On va voir s'il tient tout le match. Les gars, donc comme vous le voyez, c'est la mi-temps. Mahrez est encore blessé. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais faire entrer Nkoudou et je vais mettre Carrasco à droite parce qu'il peut jouer à droite. Simplement parce qu'Nkoudou, je le trouve très très fort ces derniers temps. Donc voilà, j'ai envie qu'il ait du temps de jeu. Et j'ai pas envie que Benatia prenne un carton rouge. Donc je vais mettre Acerbi. Comme ça, on est sûr de finir le match en 11. Allez, Carrasco. Carrasco qui se joue un petit peu de la défense. Carrasco qui passe. Carrasco qui passe toujours. Mais malheureusement, c'est pas fini avec Isco. Isco qui ressort. Mais le ballon est donné beaucoup trop fort, les gars. Ce qui fait qu'il revient dans les pieds des Russes. On va essayer de vite le récupérer avec Oziakoup. Oziakoup qui le garde bien vers Carrasco. Carrasco vers Tolisso, mais malheureusement c'est non. C'est toujours pas fini les gars, vraiment on arrive à les tenir. Allez Tolisso. Tolisso vers Carrasco. La frappe de Carrasco qui finit au fond des filets, elle est magnifique. Elle est magnifique les gars, le gardien n'a vraiment rien pu faire. Magnifique but de la part du Belge, les gars, voilà, qui monte l'écusson de l'OM, qui montre ben, qu'on est là, on est en Ligue des Champions et on est bien mieux pour la gagner. On va revoir le but, les gars, parce que franchement il est super joli, hein. Voilà, il y a eu vraiment un gros cafouillage. C'est Tolisso qui la donne bien, voilà, et Carrasco derrière, extérieur du pied, le gardien ne peut rien faire, ça finit en pleine lucarne et ça fait 1-0. Les gars, on arrive sur la fin du match et donc je vais faire des petits changements, je vais faire sortir Isco, voilà, parce que c'est un match où il faut charcuter au milieu de terrain. Donc je vais mettre Oziakhoup en numéro 10, parce qu'il a les capacités pour jouer M aussi, hein. Il a des stats, les gars, 90 en finition pratiquement. Presque 90 en dribble, il est super fort les gars, donc voilà, on va le mettre en numéro 10 un petit peu, et comme ça Marté au milieu, il peut un petit peu filer des coups. Allez, Aubameyang, Aubameyang qui passe au physique, Aubameyang vers Carrasco, Carrasco pour le doubler, et c'est au fond les gars, voilà, donc j'ai pas fait le croqueur avec Aubameyang, j'ai préféré la donner à Carrasco, d'ailleurs Carrasco qui vient lui faire un petit câlin, voilà, qui lui dit franchement merci à toi. Et on voit, voilà les gars, Aubameyang qui passe au physique, qui la donne à Carrasco, et Carrasco qui finit d'une lourde frappe, honnêtement. Doublé pour Carrasco, ça fait super plaisir. Bon, attention, attention, la tête, et c'est au fond. C'est au fond, les gars, voilà, on paye un petit peu, eh bien, nos bêtises, voilà, les gars, on les a un petit peu trop laissés passer. En même temps, celui qui a marqué, les gars, c'est Bochetti. Il me semble, ouais, Bochetti, les gars, qui est un défenseur, ça veut dire qu'il joue en attaque de folie. Donc attention à pas trop se faire prendre sur les contres. Allez, attention à Quincy Promesse. Quincy Promesse qui est magnifiquement bien taclé, les gars, par Acerbi. Voilà, qui est toujours présent lui aussi, ça fait plaisir. On a même gagné la touche. Honnêtement, je ne m'attendais pas du tout. On va essayer, les gars, mais voilà, d'aller les crucifier, hein, d'aller mettre le troisième. Allez, Carrasco vers Oziakhoup. Oziakhoup, Oziakhoup, la lourde frappe d'Oziakhoup qui est touchée par le gardien. Ça, j'en suis sûr, les gars, voilà, elle a bien été déviée. Allez, le corner, les gars, peut-être vers Acerbi de la tête. C'est encore une fois sorti par le gardien. Il y a Manquillo à la bataille. Allez, voilà, vers Carrasco. Carrasco. Carrasco, la frappe de Carrasco qui est encore une fois sortie par le gardien, les gars. Vraiment, il fait un gros match, hein, le gardien russe. Allez, on va essayer de la mettre là-bas. Il y a Aubameyang qui est assez grand de la tête, mais qui parvient pas à la garder. Et le ballon qui va finir en touche. Ça y est, les gars, fin du match. Voilà, donc encore une fois, une victoire en Russie contre le Spartak. Voilà, donc on conserve notre première place de Ligue des Champions. Très gros match d'Aubameyang qui a été décisif, voilà, avec sa passe. Et très gros match de Carrasco aussi qui nous a mis un doublé, ça fait plaisir. On a eu un petit peu quand même, ouais, beaucoup plus de mal même que contre Metz, hein, ce qui était prévisible, parce que le Spartak, c'est une beaucoup plus belle équipe. Porto a gagné contre Schalke, voilà, donc Schalke qui sont quand même mal partis dans ce groupe, on va pas se mentir. Mais nous, on est premiers, les gars, et vraiment, c'est ce qui nous importe. Le reste, on s'en contrefout des autres équipes, vraiment. Puisque tout simplement, j'ai pas envie, ben voilà, les gars, de dépendre des autres. J'ai envie de tout gagner pour être premier. Et c'est ce qu'on est en train de faire en Ligue 1, hein, puisqu'on a dépassé Bastia, ça fait plaisir. Alors, au niveau des mails, ah oui, Mahrez s'est blessé 5 jours. Ça va, hein, il manquera juste le match contre Montpellier. Il risque d'être absent une semaine, hein, voilà, le temps qu'il récupère de ses 5 jours de blessure. Donc, on va voir ce qu'il va rater. Il va rater Montpellier et puis c'est tout. Il ratera juste le match contre Montpellier, les gars. Du coup, on devra faire sans Riyad Mahrez. C'est pas très grave, j'ai envie de dire. En tout cas, les amis, si vous avez kiffé, ben, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et surtout à lâcher un j'aime. Voilà, ça me montre que ben, vous kiffez le contenu tout simplement. N'hésitez pas, enfin n'oubliez pas plutôt à répondre, voilà les gars, à ce que je vous avais dit. Ok, donc ça m'intéresse pas. Oui, donc évidemment il jouera, mais de toute façon c'est pas dans cet épisode. Comme je vous l'avais dit, les gars, n'hésitez pas bah, à me dire un petit peu ce que vous pensez du projet qui arrive de sélectionneur. Hein, évidemment, bah, vous aurez le même rythme de vidéo de carrière OM, mais puisque de toute façon on arrive en vacances, bah, voilà, je pourrais vous faire deux carrières. Donc une carrière sélectionneur plus la carrière OM. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars, dans les commentaires, j'y tiens vraiment.
J'espère que vous avez kiffé l'épisode. En tout cas, les gars, moi, je l'ai vraiment kiffé. On se retrouve très vite pour la suite. Bye tout le monde.